passe à la toi, Rocknology. On fait un stream un petit peu chill. Après 20h, on va tryharder avec des decks un peu plus dynamiques. Et on va bouger un petit peu. Unid, il m'a mis dans l'ambiance un petit peu chill. Vu qu'il jouait. Oh, on est contre Tourlk. Vu qu'il jouait. Enfin, vu qu'il avait une musique très lente. Je me suis fait bon. Alors. On va peut-être garder Agent du SC7 contre Tourlk. Pierre de tombe, pas mal contre Android. Du coup, tu es privé de match ce soir, Loello. Ouais, malheureusement. Ok, donc, de toute façon, je pense pas que je l'aurai regardé. Ça m'étonne que je l'aurai regardé. Vous venez tous, vous venez tous à la soirée au Meltdown de Reims demain. Ouais, demain on sera tous à Reims. Enfin, tous, non, il y aura Luthier et moi en fait. On sera deux. Mais ouais, ça va être cool demain, on sera à Reims. Voir un petit peu les viewers de Reims. Hop, très dans ça. C'est vraiment bien le pillard de tombe là sur le machin. Il vient streamac, mais non, il streamac pas, attends. Mais non, il streamac pas. C'est pas un mec comme ça, voyons. C'est pas un escroc. Ça, c'est intéressant. Wow, ok. Ok. Je pense que c'est quand même pilleur de tombe ici. Genre pilleur de tombe backstab. On pourrait backstab. Oh, ça c'est une carte aussi. On pourrait. Oh, non, on va juste pilleur de tombe ici. Merci bien. Oh, je prends le trade avec le backstab, c'est totalement honnête. J'ai pas envie de perdre l'initiative sur le board et avoir une 5-4, c'est meilleur qu'une 3-3. Donc je pense que dans tous les cas, c'est bien. Il le fait, il a annoncé, c'est vrai? Allez! Attends, le streamac! Bon bah, il a bien besoin de ça, je pense. Ok, ça c'est intéressant. Innervation et colère à 4. Ok, chef. Colère à 4 et racine vivante en plus. Vous êtes en train d'en genre, non? Ah, ok, Idle Corbeau, ok. Ok. Mais non, il streamac quoi. Moi je streamacerai pas. Moi je streamacerai pas. Oh, ils sont. Ok, on va faire ça. On va juste faire ça. Et on va jouer autour de Harrison. On va taper face. Est-ce qu'on lui dit, les gars? Est-ce qu'on lui dit? Est-ce qu'on lui dit? Créé par Idle Corbeau. Ah, c'est rigolo ça. C'est rigolo. Ok. Ok, c'est une main honnête. On a les viscérations, on a l'assommé, on a pas mal de bonnes cartes. Mais non, il streamac pas. Apparemment, vous lui avez dit la même chose que je streamaquais, mais du coup, non. Ok, innervation Ragnaros. Ah, mince. C'est un peu relou ça, Torg. C'est un petit peu chiant. Surtout si tu snaps la 4-4. Ok, ça va. Ça va. Il a été raisonnable, il a été sympathique. On va assommer ça, je pense. C'est un petit peu chiant d'assommer Ragnaros, mais. Ah. On pourrait faire un play différent. On pourrait faire un play où on assomme pas Ragnaros et où on le trade, mais je pense pas que ce soit un play viable. Je pense que c'est assommer Ragnaros, quoi qu'il arrive. On pourrait faire un play avec sang-froid où on trade, mais si je suis pas honnête. Je pense qu'on commence par ça parce qu'on est quasiment sûr de vouloir le faire. Je pourrais peut-être obdéquer un backstab ou un truc dans le genre. Ok, ça c'est une carte. On va faire ça comme ça. Ok. Il a déjà claqué une colère, il a déjà claqué une racine vivante. C'est pas dit qu'il puisse gérer cette 4-2. Et s'il la gère, c'est pas très grave, j'ai le deuxième dans la main. Donc ça me dérange pas. Ah, balayage dans ma tête. C'est un peu chiant ça. Attends, qu'est-ce que tu peux éviter de balayage dans ma tête sachant que j'ai pas de heal. Ok, racine vivante. Ok. Il clean le board. Et il a Ragnaros au prochain tour, donc faut que j'évite globalement de. Bah. Faut que j'essaie de poser le maximum de créatures possible, sinon je vais me faire au lieu de ça. Attaque d'ombre, ça sert à rien. On va faire ça, chercher une créature coûte le moins cher possible. On veut juste avoir du body sur le board. Oh, Sylvanas, ça l'empêche de jouer à Rag.
Allez, allez Tark, montre-nous le beau jeu. Joue ton Ragnaros Tark. Oh là là là, joue ton Ragnaros si t'as les boss. Pose tes boss sur le clavier et joue-le. Tark, est-ce qu'il va avoir les boss de jouer? Allez sur son stream, dites-lui de jouer. Dites-lui de jouer. Putain, si je joue pas Ragnaros ici, il me déçoit tellement. Il me déçoit tellement au plus haut point. Ah Tark, tu peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Allez, le beau jeu. Allez, nice. Allez Tark, duel de chat au sommet. Ragnaros contre Sylvanas, qu'est-ce que tu vas faire Tork? Passe ton tour mon gars, passe ton tour. Tu peux pas me battre à la chatte Tork, tu peux pas. Ah c'est génial, alors bon, du coup, parlons peu, parlons bien. On lui met ça et ça. Et on va laisser Ragnaros faire le job. Au prochain tour, on a l'étal, les bros. Au prochain tour, on a l'étal. Ok, Drake Azur, c'est une carte. Drake Azur, pour l'instant, ça suffira pas pour te sauver. Ça ne suffira pas. Ok, les gars. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, attaque d'ombre ici, c'est sûr. Ça, ça bat les couilles. Ok. Si on fait sang froid ici, on monte à 9-10. Ok. Donc, je pense que le beau jeu, on va lui renvoyer. Ok, on va lui renvoyer la monnaie de sa pièce. On va lui renvoyer la monnaie de sa pièce de la sorte. Ok les gars, ok, hey, je suis fair play. Tork, c'est une fleur, c'est pour toi. Allez, vas-y. Ah non, je suis aussi mauvais que lui. Putain, le pire. Bon, rien n'est joué encore. Rien n'est joué. Bon, on est largement devant à mon avis quand même, mais il peut avoir 9. Est-ce qu'il peut avoir 9? Je pense qu'il peut avoir 9. Je suis là pour apprendre. Ok, vous savez quoi? Vous savez quoi les gars? Attention. On va lui relaisser. Allez jouer. Il survit, il veut survivre, il survit. Ah dommage. Bien joué à toi Tank. La bise mon pote. Abonne-toi à Eulotv du coup. Maintenant tu dois le faire. Tu es lié à moi.